Le soir, tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. 19h-21h sur TSO Radio. Allez, bienvenue, vous êtes sur TSO Radio, la suite de l'émission. Il est 20h. Hein, on se prend en photo maintenant pendant l'émission. Quoi. Ah oui, non, mais faites-vous plaisir. Surtout, n'oubliez pas les masques, les visières, ah oui, hein. La protection, les gestes sanitaires. Sanitaire, ouais. N'oubliez pas que demain, nous recevons Brian in the kitchen. Enfin, Brian, qui sera notre invité demain pour parler de l'Asso Guéguette, une association qui vient en aide aux personnes atteintes de la maladie du cancer. C'est demain, 19h. Voilà, voilà. Là, il est 20h et c'est l'heure du Hocher, le jeu du Hocher. C'est quoi ça? C'est une de ces innombrables séquences... qui n'a pas de sens. Hein. Des cognitettes. Comme là. C'est quoi cette connerie? Alors, pour ceux qui verront les vidéos quand on les postera, il s'est passé quelque chose pendant la pause. J'ai retrouvé mes cheveux. Donc, une coiffeuse est passée. Ouais, il y a une coiffeuse. Alors, la dernière fois, c'était le maquillage. Ouais. Qui visiblement nous a transformé Laura en Yvec et Yvec en Laura. Enfin, façon de parler pour le en. Et donc là, du coup, il y a des perruques. Hein. Attention, alors le mieux, c'est. Je pense Stéphane, il est pas mal. Hein. Non, c'est pas des perruques. Stéphane, on dirait un truc. Si vous connaissez Sean White, c'est son sosie. C'est qui Sean White? C'est un champion olympique de snowboard. Oui. Un coup de tous. Sérieux là, franchement. Tu peux pas parler de trucs qu'on connaît là. Allez, moi, je suis blonde. Mais, il est connu. Ah ouais, ouais? Pour sa couleur? Non, pour ses exploits sportifs. Qu'est-ce qu'il fait comme sport? Je viens de le dire, je suis un peu olympique de snowboard. Ah, mais je t'ai pas écouté. Tu crois quoi en même temps? J'ai bien un talent quelque part. Ouais. Ah, le. Si, je pense que t'es très bon à la pêche. La pêche à la ligne, mouillé avec les fils de pêche. Alors pourquoi t'es bon à la pêche? Pourquoi? Parce que tu animes le une chaîne. Le seul poisson que j'ai pêché, c'est un. Le seul poisson que j'ai pêché, c'est un thon. C'est un poisson chat. Ah! En fait, il est plus bavard en meuf qu'en mec. Ouais, c'est ça, en fait. On va lui laisser. C'est Stéphanie. C'est Stéphanie. Non, mais je pense que. On va regarder. Il y a des gens qui ont besoin de se mettre dans le corps d'un personnage pour devenir quelqu'un. Enfin, voilà. pour vivre. Parce que. C'est quand même. Allez, j'arrête là parce que. On y va. Je suis en train de. Vivre pour le meilleur. Oh la chèvre! Il fait Julien Clerc est sorti! J'espère que c'était pas une imitation parce que là c'est complètement raté l'imitation. C'est la grosse merde. Hey Stevie Boulay, tranquille! Non, moi c'est Vic, s'il te plaît. Tu vas te calmer. Salut Vic, ça va? Ah, ça va super! Là j'ai pris ma tu vas te calmer tout de suite. Et bah justement! J'ai mes nouvelles couleurs, là je suis trop contente. Et ben Vic, j'ai besoin de toi. Ah ouais, c'est vrai. Tu choisis ta femme, il y en a que deux ici. Ah ma sulsoune. Ah bah ma préférée. Allez, c'est parti. Le jeu du Hocher, c'est Vic contre Laura. Ah ouais. Non, c'est Brittany. Brittany. Ouais. Parce que du coup, Laura est devenue blonde et Vince est devenue rose. Bah, c'est parce qu'on pensait qu'on voyait que le blond te manquait quand même, ce côté blond de l'émission. Et je l'avais de ce côté-là par contre, mais. Bon, j'ai récupéré ma Christine Bravo de ce côté-là. Voilà, merci beaucoup. Ah, moi, c'était malagré. Je vais vous inviter à vous lever, vous mettre derrière Stéphane. Ne faites rien à Stéphane. Non, non. Est-ce que tu veux passer ta sucette, s'il te plaît? Est-ce que notre bon président peut se utiliser la sucette et aller pouvoir enregistrer les sons qui se va se passer derrière? Parce que c'est pas très radiophonique. Faites attention, je crie. Il va rien se passer. Entre lui et moi, il se passera jamais rien. Les inconnus, quoi. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, on entend. Vas-y, parle un peu. Allô. Ouais, ça a l'air d'aller. Hein. Ah non, là, vous avez pas de. Là, c'est mieux là. Ah oui. Là, je suis en gros plan. Ah, t'avais pas allumé. Non. En fait, je n'avais pas vu. Moi, bien. Alors, bonjour, je suis Benjamin Castaldi. Brittany, c'est quoi ton secret? Avant, j'étais un homme. Ah, ça se voit. Et Vic, c'est quoi ton secret? Avant, j'étais une femme. Ah, ça se voit aussi. Alors, vous allez rentrer dans la maison d'ici peu, d'accord? D'accord. Alors, il faudra voter soit un ou deux le public, d'accord? Un pour Brittany, deux pour Vic, vous avez compris? Ils vont rester pendant 12 semaines dans la maison des secrets. Allez, on les applaudit. On les encourage. Alors, ça sent génial. Ah, c'est vrai que c'est quand même radiophonique ça. C'est, il y a un gros budget. Il y a un très très gros budget, je vais vous expliquer les règles quand même. Ah, ils ont deux gros chiffres dans les mains. Vous le verrez sur YouTube. Notre animateur Sébastien Perrin.
Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis en duplex. Il y a le retour. J'entends pas le retour. J'entends pas le retour. Ok, merci. Oui, bonjour, Axel. Il y a le décalage. Le décalage de 5 mètres. Eh ben, le but du jeu va être de... Ah, il y a les billes qui sortent direct, hein. Il va être le premier ou la première qui a fini de vider la bouteille dans la bouteille du bas, en secouant comme ça de haut en bas, un peu comme une branlette. Voilà, et moi, je mettrai mon micro à côté, hein. Voilà. Pour avoir entendre un peu le son. Alors, attendez. Je suis entre deux cochonnes. Est-ce que vous êtes prêts, les gens? Oui. Alors, c'est parti, c'est quand vous voulez. J'ai plus d'oreilles. Vite, ça a brouillé sa bouteille. Bon, Laura a gagné, hein. Allez, bravo pour Laura. Bon, c'est facile. Bon, j'ai plus d'oreilles, hein, je vais te tapon. Mais bon, apparemment, il y a des billes qui... Je pense que le budget scotch, il y en a eu moins cher. Donc c'était pour ça les billes alors, d'accord. Il y a des billes un peu partout dans le studio, c'est très bien. C'était truqué. Alors du coup, je tiens à vous dire que tu es la gagnante du jeu. En fait, alors je toute seule, ça aurait été pareil. Hein. Mais ce qui fait que du coup, tu auras le droit de rejouer quand on recevra Laurent la semaine prochaine. Ouais. Laurent, président du club de boules de Guise, pétanque cuisarde. T'auras une deuxième chance. Une chance. Mais en tout cas, c'est une séquence très radiophonique. Alors hein. On se souviendra de cette. Le soir tard chaud. Allez, on y retourne. Ah. Nivek balance des sons comme ça. Nivek, il en a raté, il lance des jingles. Ouais, les gars, c'est bon. Nivek, il s'est dit, bon, allez, c'est bon, il me casse les couilles avec leur séquence de merde, on se barre de là. Donc en fait, on pouvait rappeler aussi un peu le jeu. En fait, c'était deux bouteilles d'un litre 5 vides, bien sûr, où il y avait des billes dans une bouteille. Il fallait faire comme un sablier. Tout à fait. Faire descendre les billes en agitant du haut à l'intérieur de la deuxième bouteille. Ah, vas-y, là, dans les toilettes avec le micro. Hein. Non, franchement, là, le gars, il parle des toilettes. Je ne vous entends plus. Ici, Paris. Ah, il y a encore une bille. Vraiment, je trouve que c'était un jeu deuxième de merde, bille, peut-être. Parce que j'ai perdu. Je pense qu'on a retrouvé deux billes dans les studios. Bon, c'est bien, on est en train de ranger en direct. Ça va être super. On en a rien à foutre. Parce que si on roule sur une bille, après, ça peut... Franchement, je sais pas qui c'est. Très mal s'est passé. Merde, mais... Et je rends le micro. Ah, rendez l'antenne, Pino. Pour Brittany, tapez 1. Pour Vic, tapez 2. Voilà, pour le coup, on a gagné. C'est Brittany. Brittany qui va pouvoir jouer au calo avec le pro de la boule. Avec les calos de chance. C'est la semaine prochaine, on est mercredi, c'est ça? On est mercredi, ouais. Et ben, il vient la semaine prochaine. Voilà. Ah bah, tant super, mieux. Merci Axel. Je n'ai plus le jour en tête, ce sera Laurent, hein, le président des pétanques. Mercredi prochain? Des pétanques. Bon, ça sera des pétanques. Le 2 juin. D'accord, et c'est mardi alors? Ouais, non, c'est mardi. Mercredi. Bah. Lundi 31. La semaine prochaine, quoi, en fait. Je sais même pas quand ses invités viennent. Non, c'est mercredi, en fait. Mercredi. Je fais comme je peux. Merci pour cette séquence inoubliable, je pense. Avec plaisir. Qui m'a fait un tampon. À marquer dans les annales. Je pense qu'il va bien falloir les marquer dans les bandes annales. Hein. Qu'est-ce qui se passe après dans l'émission? Les paroles de chant sur Mélodie du Nord. Oh là là. Sur Mélodie? Ah. Une autre mélodie. Une autre mélodie. Sur une autre mélodie. Tu veux toujours pas chanter? Non. Oh. Ah, mais sur ton CV, tu l'as pas mis, t'étais limité quand même. Ouais, mais là, on est toujours obligé de garder les mêmes, puisque si tu te rappelles bien, la semaine dernière, on a lancé un petit concours. Non. Et Seb à 2, Vince à 1. Ah oui, pardon. Et donc, du coup, c'est qui joue là? Bah, c'est toujours eux. Ah bah, et comment se défausser? Ouais. Vince, Sébastien. Et bah, c'est tout de suite. C'est le concours. Vous bougez pas, vous restez là, vous êtes sur TS Radio. Vince, t'es pas loin, en fait, Vince. Bah, oui. Ah, bah, c'est Vic. T'inquiète pas. Vic, alors par contre. C'est sa jumelle, avec la voix. T'es en mode Marvin Gaye? Ouais. Et bah, tu fais le jeu en mode Marvin Gaye. T'inquiète. Ah, pas de soucis. Balance Stendenberry. Eh, vous avez pas l'image, mais l'image, elle est pas mal quand même. Là, il me regarde avec ses yeux. Qui veut de la bite. On dira pas. On le dira pas. Bip. Allez, c'est tout de suite c'est sûr. C'est con parce que t'es malade, toi.
Je suis quoi? Ah ouais, malade, tu vois. Ah ouais, sinon je t'aurais fait le cul, hein, pour toi. Il y a Nivek à côté. Ah oui, Nivek. Ah mais il est malade aussi. Il est malade aussi. Ah ouais, mais... Putain, ils sont tous malades. Hein. Putain, c'est plus que le président, mais il est trop moche. Oh, je vois qu'il te connaît bien. Il reste Sean, je sais pas quoi là, au pire. Sean, ah ouais, Sean Penn. Ah, enfin, juste, juste Sean, hein, pas Penn. Juste la peine là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bien, la peine. Ah bien, là, il fait de la peine. Le gars, il reste dans une grotte pendant des mois là. Ah ouais, je pense que là. C'est la meilleure que... même, même, même. Par contre, moi, je peux rester dans une grotte comme lui autant de temps, j'aurais pas autant de cheveux. Hein, non, toi, non, même moi, je pense. Ah bah ouais, je pense que moi, je serais obligé de prendre les côtés pour aller sur le dessus. Enfin, je serais un truc de très moche. J'ai autant de cheveux, mais j'ai pas autant de barbe. Non, c'est vrai. Tu n'as autant de barbe. On en parlera à Angela Merkel. Ouais. Et donc, messieurs. À qui? Angela Merkel. C'est qui ça? Moi, je connais pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Allez, on se retrouve tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.